Kiko tout le monde. Eh oui, on est... C'est moi, bah ouais, c'est moi déjà, d'abord, bonjour, c'est moi. On est le 19, je crois. On est le 19 janvier, il est presque 4 heures de l'après-midi. Il est presque 16 heures, hein, il est moins le quart. Bon. 15h45. Donc je suis rentrée il n'y a pas longtemps, j'ai été faire un tour. J'étais en réunion ce matin et puis après bah, j'ai dit tiens, bah, puisque ma voiture est sortie, je vais faire un tour à Chemillé. Alors je suis allée à Chemillé, je me suis dit je vais faire un petit tour à Action. Je mets des petites choses dans mon sac, tout ça, et puis à un moment donné, j'ai dit oh bah il est où mon porte-monnaie? Bah le porte-monnaie n'était pas dans le sac. Et n'était pas dans les poches non plus. Donc je donne le sac à la dame en disant, à la caissière, en disant est-ce que je peux laisser mon sac de course? Je vais voir dans ma voiture si j'ai mon porte-monnaie. Voilà la voiture, pas de porte-monnaie. Donc je retourne voir la caissière. Je dis, bah, je m'excuse, j'ai pas de porte-monnaie. Et puis bah, je voulais absolument ce que j'avais mis dans le sac. Hein. Bah, forcément. Hein. Pourtant, c'est pas bon pour ma santé. Mais je le voulais quand même beaucoup. Donc j'ai dit, bah, excusez-moi, est-ce que vous pouvez garder le sac le temps que j'aille chez moi? Donc au moins 25 à 30 minutes de route pour revenir chez moi. Puis pareil pour retourner là-bas. Bah oui, à celui de Chemillé, je suis à peu près une demi-heure de route. Elle a dit bah oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc bah, j'ai repris ma petite voiture, je suis revenue chez moi. Et j'ai pris mon porte-monnaie qui était resté dans ma cuisine. Et puis je suis retournée chercher mes courses. Donc je vais vous faire voir. Il y a... quasiment, il n'y a rien en scrap. Il y a quelques bricoles en bureautique. Alors, on va regarder. Bon, je suis passée à ma boîte aux lettres, donc j'ai aussi du courrier. Donc, je vais sortir tout. Bah, je fais du bruit, hein, tant pis. Tant pis, tant pis, je fais du bruit. Faisons du bruit à besoin 4. Je fais du bruit, je fais. Je fais du bruit, je fais. Là. Bon allez, j'arrête avec mon bruit. Oui, j'arrête avec mon bruit. Donc, j'ai pas pris de scrap parce qu'il y a vraiment rien. Il y avait rien qui m'intéressait, quoi. En rayon plutôt bureautique, voilà, j'ai pris des crayons. Parce que souvent, quand je prends des crayons dans ma boîte à crayons, ils écrivent pas. J'ai des vieux crayons qui écrivent pas. Alors, bah, le principe, c'est de jeter les vieux crayons et puis de prendre les nouveaux. Donc ça, les stylos, c'est à 99 centimes. Stylo comme ça, 99 centimes. Ça, alors... j'ai pris des marqueurs permanents. J'ai pris ceux-là parce qu'il y a les quatre couleurs, en fait. Donc ça, ce serait pour marquer sur mes boîtes en plastique ce qu'il y a dedans, même si on voit en travers. Mais bon, déjà, ça donnerait un indice. Je mettrais, mettons, en rouge, Noël. Alors ça, les marqueurs, marqueurs, marqueurs. Les marqueurs, les marqueurs. Stanger marqueur, c'est 99 centimes. Voilà. J'ai pris une... comme ça. Comme on avait à l'école. Une ardoise. Ben voilà. J'ai pris une ardoise. J'aime bien le crayon parce que le crayon, il a de quoi essuyer. Parce qu'on m'a piqué mon crayon dans la cuisine. Enfin, on m'a pas piqué, mais bon. Je l'ai prêté à quelqu'un et la personne m'a rendu un crayon, mais c'était pour le même. Alors que le mien, il avait le petit truc pour effacer. Bah là, la personne, elle m'a donné un autre crayon qui écrit aussi sur les Velleda, mais il n'y a pas de bout et effaceur. Il n'y a pas d'effaceur au bout. Donc ça, la mini tableau blanc marqueur effaceur, c'était 99 centimes, donc ça va. Ça, c'est parce que j'ai une idée en tête, je dis tiens... plutôt que d'écrire sur mon cahier et puis de faire des ratures, je vais déjà calculer avec ma tablette là, avec ça, faire mes... Et puis quand je serai OK,
je reproduirai après au propre sur mon cahier. Mon caca, mon yéyé, mon cahier. J'ai pris des chips. Marouaise avait faim hein, quand je suis retournée. Vu que j'avais pas mangé. J'en ai mangé pas mal là. Hein. 1,10€ les chips. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors dans le rayon Pâques, j'ai pris une petite guirlande avec... ça fait comme des fleurs. Je dis, tiens, c'est joli. Il y a plusieurs couleurs. Orange, rouge, bleu. J'ai eu une petite guirlande pour faire un petit truc pour Pâques. La guirlande, elle était à... La guigui, la guirlande, elle était à qui? Allez à moi, 1,99€ la guirlande. J'ai pris des chamallows cœur. À côté de Pâques, il y a tout ce qui est Saint-Valentin. Des chamallows en forme de cœur, 1,39€. Pas bien. J'ai pris la pochette joyeuse de Pâques. Bah c'est cela. Pas bien. Ça c'est 1,89€. Pas bien. Trop de sucre, Hélène. Trop de sucre. Bah ouais. Ouais, bah faut bien mourir de quelque chose. Hein. 1,89€. Ah, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est la première fois que je vois ça. Du Galak, donc c'est du chocolat blanc, mais avec du praliné dedans. C'est pour essayer, pour goûter. 1,89€. Ensuite, la tablette Milka, comme elle était en promotion, bah, je m'en suis pris une. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris de ça. Elle est à 2,39€. Alors qu'en temps normal, elle est à 2,79€, je crois. J'ai pris des Mélin Méléo Cake, 1,49€. Ah bah ouais, c'est que de la bouffe. Le reste, c'est que du manger. Des petits M&M's, 100 grammes, 99 centimes. Ah ouais. Donc voilà ce que j'ai pris à Action de Chemillé. Puis après, bah, je suis partie de Chemillé. J'ai dit, bah, maintenant que je suis partie, je suis allée direction Villiers où j'étais... au magasin Aldi acheter à manger quand même. J'ai acheté un peu de viande parce que bon, je manque de protéines donc faut que je mange de la viande. Donc j'ai acheté un peu de viande, j'ai acheté des patates. Bon, pour vous faire voir des patates, vous savez ce que c'est qu'une patate. Je sais même pas combien je les ai payées mes patates. Bon, j'ai craqué pour ça. Hein, c'est pas bien non plus. Pas de Noël. Il faut me manger vite. Non, on te mangera doucement. Et puis j'ai regardé dans les bacs et puis j'ai vu des grands trombones. Alors j'ai trouvé des grands trombones, donc des bleus et des roses, des roses, des gris, aïe, et des noirs. Je me suis mis le coin dans le pouce, des noirs. Alors c'est des grands trombones, je sais pas combien ils mesurent. Est-ce que c'est marqué? Il y a 60 pièces. C'est des 50 mm, donc c'est des 5 cm de comme ça. Donc pour moi c'est des grands, parce que moi je connais les tout petits. Il y avait des petits aussi dans les mêmes couleurs. Il y avait aussi du marron clair, mais il n'y avait pas les grands. Parce que les petits, j'en ai déjà plein des petits. Mais des grands comme ça, c'est la première fois que j'en ai. Parce que ceux d'Action, je les ai jamais trouvés là, les dorés. Et je crois pas les avoir trouvés. Ou alors je les ai trouvés, mais je sais pas où ils sont rendus, mais bon. Voilà, c'est Hélène, hein. Bah oui, on la changera pas. Et non, on me changera pas. Et non. Faudrait faire le ménage pour trouver des choses. Donc voilà, c'était ma petite virée d'aujourd'hui. On est le 19 toujours, hein, ça n'a pas changé. Je vais aller faire un démontage parce que j'ai plusieurs vidéos à vous monter et à vous mettre. Et puis, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je vais vous laisser, je vais vous faire plein de scrap bisous et je vous dis à très bientôt. Scrap bisous les copains, les copines.